Ben voilà, on est au sommet du Piz Argent. Là-bas, c'est le Zuppo, c'est l'étape suivante. Là, c'est un peu. Là, c'est moi. Voilà, tout va bien. Voilà, top là. Oui. Alors, on est au Piz Zuppo. La suite, c'est là. Tout le monde là-bas. Troisième. Bella vista. Et voilà la suite des opérations. Donc nous sommes au sommet des Bella Vista. Très joli sommet. Et on voit la suite. Je sais pas si je fais bien. Voilà, on est au dôme suivant, toujours sur Bella Vista, tout se passe bien, ça déroule. On est dans l'ascension du Piz Palu. Et bien sur l'arête du Palu, la fatigue commence à se faire sentir un tout petit peu et il fait chaud. Voilà, sommet occidental des Palus a priori. Il en reste un peu. Et oups! Voilà. Yeah.
Et voilà. Dernier sommet de la journée. Voilà, on est au col sous les sommets du Palu. Peut-être même que ça s'appelle le col des Palus, mais c'est pas sûr du tout. Et il nous reste une longue, longue descente, parce qu'on va partir là-bas tout au fond. Donc on n'est pas rendu. Ouais. Alors voilà, là-bas, c'est Marco et Rosa, la cabane, et on a tout traversé pour finir au Piz Palu, ici. Et maintenant, on est en train de chercher par où on va descendre. Et ben voilà, on est sur le retour, on est à la Diavolezza, et on va descendre à Pat en bas. Pas de téléphérique pour nous, les vrais échos. Et ensuite, on trace.